En Syrie, alors que les forces gouvernementales continuent leur offensive dans la région de la Ghouta orientale, l'Organisation des Nations Unies a dit que l'évacuation de civils dans la banlieue de Damas était prévue aujourd'hui, mardi. Un groupe de surveillance basé au Royaume-Uni a déclaré que les troupes loyales du haut président Bachar al-Assad avaient désormais capturé plus de la moitié de l'enclave depuis que les combats, ont commencé le mois dernier. Dans le même temps, plus au nord, la Turquie a déclaré que ses troupes avaient désormais encerclé la ville d'Afrin et revendiqué des avancées substantielles dans leurs combats contre la milice locale kurde.